Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une grosse vidéo. Elle m'a pris pas mal de temps à faire, c'est une vidéo très très fun. Un bon petit zapping à l'ancienne. Mais juste avant de vous proposer la vidéo, regardez si vous êtes abonné ou pas. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Je compte sur vous pour tous, mais vraiment tous, vous abonner pour qu'on puisse atteindre les 100 000 abonnés les mecs. Je compte sur vous, ça me ferait sincèrement très plaisir. Voilà, prenez 2 secondes, abonnez-vous. Et pour les fidèles, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour une deuxième vidéo zap. Sur ce, bon visionnage. Bienvenue à bord, bâtard. Touché, 15. 30. Où est son mate? Il a une paix de Nantes. Il me dit, mais c'est le sommet, là, je le vois passer en poule à côté de moi, oui, je déconne. Ah, les crèves là. Grossesse de pute, je lui sur la balle. Condamné, monsieur. Condamné, gros con. C'est un acte immoral. Vole pas, vole pas, vole pas, vole pas, vole pas. Eh bien, aussitôt dit, aussitôt fait, madame va être servie. Oh, oh non. Putain, mais mec, mais tu me voles mon loot en plus, putain. Orage. Orage de mon volage. Arrête ça, rends, putain. Après, tu te demandes pourquoi j'ai pas envie de jouer avec toi. Tu casses les couilles. Putain, mais en vrai, moi je te vois, tu bouffes tout le temps kebab, tacos, McDo, des trucs comme ça. Juste parce que j'ai mis story. C'est que, ben, je te l'ai dit, gros, c'est la première fois de l'année que je mange tacos. Mais il vient, il va là l'argent de ton site là. Tu t'achètes des burgers tous les jours. Non, pas du tout. Chien. Mort. Oh. Attention, la zone. Attention à la zone, ça va faire peur aux enfants. Gérard aussi fait peur aux enfants. Viens faire un bisou. Pourquoi ils écoulent? Pourquoi ils sont les écoules, monsieur? Il dit que sa copine s'appelle Gérard. Ah non, j'ai une copine. Il a dit que c'était mon bourreau. Ok, donc je vous mets dans le contexte. Alors en fait, on était sur Bazookam, on faisait des pranks, on se faisait passer pour les filles. Et après, quand des gens curieux s'arrêtaient sur nous, on leur disait qu'on avait un problème de micro, blabla, il fallait qu'ils augmentent le son parce que notre micro n'est pas assez fort. Et du coup, on leur faisait augmenter leur son Windows, leur son sur le site et leur son d'haut-parleur. Et donc, vous allez voir le résultat que ça donne. Ok. Alors là. Je vais me faire pipi dessus. Attends, y'a une femme à barbe dans mon village. Si, y'a une femme à barbe dans la communauté. Enfin, dans la communauté, dans le village. Communauté. de pêcheurs. Il y a une meuf dans la ville où j'étais dans mon collège, elle a la barbe, tu vois. Une belle. Hein. Je te jure, c'est mec, je déconne pas, ouais. C'est vraiment une barbe, tu vois, c'est choquant. Là, je l'ai vu dans le. Bah, c'est pas du duvet, c'est vraiment des poils qui tiennent, tu vois. Et là, je la vois dans le inter, mon gars. Je croise son regard, j'étais. Trempé de peur. Je me dis à mes potes, ouais, y a la femme à barbe et son bourreau, parce qu'elle traînait avec un mec. Son bourreau respectif. Ok, elle aime tant. C'est horrible ce qu'on est. J'ai déjà dit qu'il y avait un mec qui s'appelait Albin et il a mangé des cailloux dans la cour quand j'étais petit. Et genre, tu vois, il jouait tout seul parce que c'est toute son habitude, il jouait tout seul, petit bouffon. Oh, il a toujours été un peu Google. Ça, c'est... Oh, on jouait. Tu vois, chacun de notre. Enfin, en groupe et lui tout seul. Il était assis dans les cailloux. Et là, d'un coup, je. Il fait. J'ai mangé des cailloux. Ça me genre... donne tellement pas, gros. 2 secondes avant, il jouait avec des cailloux, gros. Et 2 secondes après, il y avait plus de cailloux. J'ai mangé des cailloux. C'était un gogol un peu. Bah, bien sûr, gros. Ils avaient la voiture dans le milieu de la cour. Par contre, il avait un polo Lacoste, hein. Avec de la bave dessus, du coup. Et crocodile, mon gars, il est en train de baver. Ah,
viens. T'es vu comment t'es gros, je sais même pas si t'es en paradis. Non, tu te moques des gros là. Hein. Ouais, mais tu parles, tu fumes comme un pompier. J'aurais voulu te tailler, j'aurais voulu tailler sur la cigarette. Hein. Mec, toi, pour mon droit à déposer le bilan. Il a une statue de chien. Genre, j'ai toujours cru que c'était un vrai chien quand je prenais le bus et quand j'étais petit. Il a une statue, c'est un faux chien. Et mec, la seule fois que je l'ai vu, on dirait qu'il était AFK, tu sais. Il était AFK, gros. Oh bah, je te jure, genre, j'avais du mal à savoir. Ah, putain, il est vivant, hein, il dort. Je peux lui dire bonjour, j'ai dit. Je fais quoi? Allez, gros. Ça va, vous, sinon? Hein? Deux. Ta mère a des beaux cheveux. Ta mère, au bout de ma queue, t'avais dit non. Ouais, j'allais dire ça, être en soutien. Gros fils de pute, non mais n'importe quoi. Attends, gros, oh là, ça a niqué tout mon PC, je crois. Toi, t'es vraiment le dégénéré mental là. Mais tu t'ingènes, tu sais qu'il faut mettre un truc avant de le mettre. C'est pour non, ça qu'il est... non, 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 non. Mais si, c'est pour ça qu'il est du tout sur internet, bouffon. Parce que sinon, tu chopes un putain de cheval de Troie. Arrête. Si tu veux le virus, tu dire Flappy Flappy de lapin. Flappy Flappy de lapin. Oh là, t'es sûr d'être protégé. Des meubles et tout. C'est genre dans le jeu. Ah ouais. T'as pas compris ce que c'était. Bah c'est genre, c'est pas en ligne, genre c'est Laisse-moi dans le blanc, vas-y, laisse-moi parler avec Gérard, hein, franchement. C'est tout chiant. J'avais essayé le mec qui se retrouve permis là parce que il a un poumon, c'est un sac poubelle. Parle bien de mon poumon sac poubelle par contre. Comment il doit pomper ton poumon mon gars. Attends, je me démite et je fais directement. Salut Philippe. Il m'attend pas. Attendez. Alors attends, Mathieu, attends. C'est un mec ou pas? J'ai pas vu. Putain, j'ai encore fait avoir. Ah ouais, pas mal. Je suis un esclave. Il a purgé loi, Gérard. Il a purgé loi. Est-ce qu'il y a un mot plus moche que purger? Ah. Il a raclé loi. C'est bien moche aussi, raclé. C'est bien à moi fourré quelque part. Ni que ni tête dans le monde. Mort. Allô tête de mort. C'est moi Gérard. T'as pas payé ta dette. Je vais venir saigner les meubles. Chez toi, je vais te tuer. Philippe. Oh, il a quitté. Oh, il a quitté. Bon, vas-y, tchou. Il a quitté, c'est mort, il a quitté. Vous vous auto-branlez, genre en mode. Toi, pourquoi t'as mal voulu, mec? Tu le dis à ta gueule direct comme ça, genre tu joues à quoi, gros? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Ta gueule. Non, arrête de dire ça. T'as pas de chance dans la vie, toi. Pourquoi tu bégayes comme ça, gros? Je bégaye pas, c'est toi qui as pas de chance. Tu bégayes. Pardon. Excuse-moi. Oui, excuse-toi, mais dis-moi. Non, excuse-toi, toi.
coca, toi. Un coca? Non, c'est toi. Bah non, c'est toi. Bah non, c'est toi. Non, réponds pas, ta gueule. Qui c'est où? Dis-moi. Qui c'est où? Et c'est toi. Hein? 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 Bon alors, dis des coups. Parle avec un accent comme ça, tu me parles dans ta barbe. Vas-y, comme ça. Parfait. Fais. Non, toi, dis-moi tout. Parle dans ta barbe. Putain, il est fort, l'enculé. Shifubi. Ok. Shifu. Eh, un dos d'honneur. Attends, on recommence. Mon pote. Bah ouais, bah ouais. Le mec, il a 7 ans d'âge mental. On fait la belle. Non. Ah, Mathieu, je t'aime. Dis ta gueule.